Tu sens la sueur perler. De larges ruisselets de sueur visqueuse. Elle coule le long de tes jambes, de celle qui tient la pédale tonale et de l'autre. Partout, elle suinte de ta poitrine et descend jusqu'à ta ceinture pour finir absorbée par ton pantalon de frac. Elle se répand partout, sur tes bras, sur tes mains. Bientôt, tu éprouves la crainte que tant de sueur ne rende ces dernières trop humides, si humides qu'elles en déraperaient au moment de frapper les touches noires. Tu joues à 100 km à la minute, mais pourtant, tu ignores pourquoi, elle ne dérape pas. Et tant qu'elle ne dérape pas, tu sais que tout va bien. Tu fonctionnes comme une machine bien huilée, pas trop de sueur, mais pas trop peu non plus. Mais parfois, la transpiration s'arrête et tes avant-bras se paralysent. Voilà ce que chaque pianiste de concert redoute. Voilà la crainte qui hante ses pires cauchemars. Tu ne peux jamais prédire ce qui va se passer. Cela n'arrive qu'une fois tous les 100 concerts, mais cela arrive. Et alors, cela commence avec une certaine raideur dans le haut des avant-bras. Cela te transmet ensuite dans le poignet, dans la main, puis dans les doigts. Des fausses notes apparaissent alors dans la fugue de Bach ou la sonate de Chopin. D'abord des petites, ensuite des grosses. Tu perçois la surprise, puis l'irritation du public. Et en même temps, cette sueur sur ton corps, glacée, à l'intérieur du lourd costume noir à col raide. Tu avances à la vitesse de l'escargot sur un champ de course d'ivoire et d'ébène. Tes doigts semblent prisonniers de petites camisoles de force. Mais ce soir, tu transpires. Dieu merci. Tu transpires même comme un bœuf. Lorsque, dans la fugue de Bach, tu respires l'air des cimes, tu penses « Mais quel moyen merveilleux de gagner sa vie !» Ensuite, quand le morceau est fini, que tu t'es levé, incliné et rassis, et que de tes précieuses mains tu t'es essuyé le front, tu te dis « Oh, comme j'aimerais être boxeur professionnel. Le prochain round contre le Steinway serait beaucoup plus confortable en maillot. » À la pause qui sépare la première partie de ton programme de la seconde, tu vas dans ta loge et changes de vêtements jusqu'au dernier fil. Sous-vêtements, chemises, rubans, chaussettes, pantalons, frac. Tout ce que tu enlèves est trempé. Tu as 22 ans et tu es entraîné comme un boxeur. Tu ne manges pas trop, tu ne bois pas, tu ne fumes pas et tu travailles chaque jour de 6 à 8 heures sur un piano à clavier spécial dont les touches sont si difficiles à enfoncer que lorsque le soir tu t'assieds sur un piano de concert, tu as littéralement l'impression de chevaucher un nuage ouaté. Avant les concerts, bien sûr, pas question de manger quoi que ce soit. Tes instruments te suivent dans tes voyages, ton agent aussi, pour les filles, pas le temps. Ton agent s'assure d'ailleurs qu'aucune de ces créatures voraces ne s'approche. Tu es pianiste de concert. Voilà ce qu'était ma vie à 22 ans.